Alors, Talanka, je devais améliorer l'attaque. J'en essaie de passer sur le Wi-Fi pour voir ce que ça donne, mais je suis perplexe du truc. Merde, j'ai carrément été viré. Je te réinvite. Je sais pas pourquoi Discord est en train de me bouffer toute ma bande passante. Pourtant, ça doit pas être, c'est pas si gourmand en général. Bah ouais, d'habitude j'ai pas de problème. Bon, je suis passé sur le Wi-Fi en espérant que ça suffit. On verra bien ce que ça donne. C'est parce que je suis là, avoué. Hein. Ah, peut-être, peut-être. Tu prends trop de place sur, sur les ondes. Hey! C'est pas ma faute si je suis grand aussi. Je prends Mecha. C'est Benares, donc on s'en fout lequel. Le dragon. C'est le gros dragon de merde. Alors, qu'est-ce que je prends contre le dragon? Bon, si je prends Interesta. Y a un de vous deux qui a Godkena ou pas? Je prends Interesta, je crois. Moi, oui. Moi, elle est OP, elle est améliorée à mort. Non, parce que je te la laisserai pour le dernier niveau, du coup, j'utiliserai là maintenant, à la prochaine, probablement. Ah non, Godkena. Non, non, Godkena. Ah non, okay. J'ai rien en lumière. Non, bah alors dans ce cas, je garde ma Godkena pour le dernier niveau. J'ai Alexis. Du coup, tu crois que je prends ma Teresa tout de suite avec son. Ou je la garde pour le garde dernier Teresa niveau. Garde ta Teresa pour la fin, tant qu'on n'a pas de problème. Judas est quand même pas mal. Ce qui me fait chier, c'est que Kiana, elle est pas top pour le dragon, étant donné que personne ne peut faire enclencher mes QTE avec. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Il reste 3 levels. Hein, donc... C'est moi comment je suis viré du raid. Non, je te vois encore. Ouais, ah non. Si, t'es parti. Tu me vois encore? Tu viens de partir. Et comment ça se fait que j'ai 4... J'ai plus de... 143 points d'XP à... Ouais, sur les numéros autant. Le Wi-Fi, c'est mort, j'enlève. Ah, ok. Il est encore pire que 4G. Normalement, 4G, c'est son... Bon, là, normalement, j'ai rejoint. Non, c'est bon. Je te vois pas, en tout cas. Ouais, tu peux renvoyer un vis, s'il te plaît? Bon, qu'est-ce que je vais prendre contre ce putain de dragon de dope? Ah, il est gros. Allez, je prends encore je prends ma deuxième Teresa. Vas-y, prends ce que tu veux. Hein. Oh, je suis prêt. J'ai un gros dragon. Le dragon, il se prête particulièrement aux attaques par derrière. En fait, je crois que le côté compte aussi pour les skills de Mei. Bah, tout ce qui est gros boss, en fait, je sors cette Mei là. La Mei fourbe. À l'instant, je vais juste améliorer un petit peu. Voilà, voilà, je vais améliorer son passif, je serai tranquille. Voilà, c'est bon, je suis là. Par contre, c'est quand qu'on a le katana, le fameux katana poisson. Ah, ça, aucune idée. Le truc, c'est qu'ils viennent de l'avoir sur la version chinoise, donc... Qui est tellement drôle. Se battre à coups de ton. Ok, je prends déjà des grosses claques dans la gueule. Une espèce d'étoile, c'est quoi? Tu prends, ça fait des dégâts sur tout le monde. Putain, je perds des points de vie, c'est quoi ce délire? L'arme. Les étoiles, c'est moi qui les crée, les petites étoiles. Ça blesse les ennemis. Il s'est passé quoi pour que je crève? Bonne question. J'ai mes points de vie qu'ils ont fondu comme neige au soleil. Il y a une espèce de ding là au milieu, c'est pas ça? Je crois pas. J'avais pas vu d'infos, donc
T'as dû te prendre juste des grosses claques dans la gueule parce que j'ai remarqué qu'il tapait assez fort. Ouais, c'est clair qu'il tape fort. En même temps, Teresa, elle a pas une. Bah, ça dépend de tes stigmas. Ouais. Comment il se fait déboîter lui? Ah là, je l'ai bien enchaîné entre mon ulti et autre. En plus, des mechas. Moi je dis quand même, dans l'abyss, le pire des bestioles, c'est quand même le robot orange. Padrino? Ouais. Non, le nouveau robot Heimdall, là, il est bien plus chiant. Ah merde, c'est derrière. Robot avec le gros CP. Demi-tour. Le truc, elle est là-bas. Celui qu'on a affronté il y a pas longtemps. Oui, celui qu'on a tabassé juste avant. Parce que lui. Le truc, c'est qu'en fait, il a deux trucs chiants. Quand il fait certaines de ses attaques, il met un bouclier devant lui. Il n'y a que quelques attaques qui peuvent le briser. Et si jamais tu n'arrives pas en fait régulièrement à briser son bouclier, il va finir par passer en mode rouge. En mode rouge, il prend 40% de dégâts en moins. Tu peux pas l'interrompre, tu peux rien lui faire quasiment. Et il est complètement en mode vénère avec ses attaques. C'est un putain de sac à PV. Merde, la tornade. Oh la vache. Tu nous as joué sur tes fesses, en mode tes fesses. Là, c'est bon, il passe en mode électrique. Du coup, je peux maintenir mes dommages. Allez, crève. Ah la pute. Oh putain, il m'a défoncé. Juste avant là. Juste avant qu'on l'achève. Bon, ça va, il n'y a pas eu d'autres morts. J'ai cru qu'il allait me buter. C'est bon, on réussit bien tous les objectifs en vrai. En fait, ils sont faciles, c'est toujours les mêmes, c'est pas crever, faire 3 skills d'équipe et 3 et 2 ultis. Ils ont retiré en fait les trucs chiants là, ils ont retiré les QTE, ce genre de bêtises. Parce qu'ils ont vu que c'était chiant en fait, il n'y a plus tout ça dans les objectifs. Merci bien, parce que ça c'était chiant. Bon, à part les combos que tu fais. Fallait bien réfléchir à ton équipe. Ouais, mais du coup, quand déjà t'as du mal pour ce qui est pour les trucs difficiles, si en plus tu dois réfléchir à comment faire des QTE ou ce genre de conneries, ça devenait chiant. Ouh, Archer du néant directement. Faut les éloigner l'un de l'autre. Putain. Oh. Oh non, quelle horreur. Qu'est-ce que je peux utiliser? C'est la combien de... c'est l'avant-dernière, celle-là. Un truc pour les éloigner l'un de l'autre. Enfin non, on pourra pas spécialement les éloigner, mais il faudra faire gaffe quoi, qui est-ce qu'ils attaquent, et c'est si possible essayer qu'ils se collent pas l'un à l'autre. C'est là que je suis dégoûté de pas avoir augmenté le sniper enneigé. Bon, je vais essayer ça. Ah ouais, moi aussi. Bah si vous pouvez propulser, vous avez vraiment des personnages qui permettent de propulser les ennemis dans l'air. Non mais on pourra pas, c'est deux boss là. Je prends un million. Bon. Qu'est-ce que j'ai mieux que ça? J'ai équipé de l'épée, la deuxième épée légendaire que tu peux débloquer en faisant la... Ouais, je vois l'arme. Ça va,
Ça va, ça lui va bien. C'est une bonne arme pour elle. C'est la meilleure option free to play, tant que t'as rien de mieux. Vas-y, du coup, valider. Et après, j'ai assez. Après, j'ai aussi regardé et j'ai aussi assez pour. Je peux aussi acheter la deuxième épée légendaire qu'elle peut avoir. Ouais, mais c'est un katana. Ouais, non, ça la, la grosse épée corrompue, l'arbre corrompue. Attends, il n'y a pas de clé divine en épée là. Il n'y a pas le serment de Sama, enfin l'épée du. Ah, si, justement, c'est celui-là. Le truc en flamme. Ah. Parce que normalement, dans le truc de Sakura, t'as aussi une épée large. Dans le truc de Sakura? Pas au clé divine. Il y a des sabres, mais il n'y a pas d'épée large demain pour Gros Nichon. Gros Nichon. Bah, il met quoi? Tu veux l'appeler comment? Bah, il met quoi? Ouais, on est d'accord qu'Himeko, ce qui la caractérise, c'est son tour de poitrine. Ils ont d'abord Il y a autre chose avant d'être terminé et sur l'alcoolisme. Mais ça va souvent perdre. Voilà. Ah putain, je déteste ce coup. C'est un grand classique du manga. Ah, je l'ai pas lu à 100% le manga. Non, je veux dire du manga en général. Dans la plupart des mangas, les personnages de gros seins sont des alcoolos. Regarde dans Naruto. Tsunade. C'est une putain de colo aussi. J'en passe, c'est les meilleurs. Pourquoi j'ai perdu autant de vie, moi? Je sais pas, mais j'en ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Hein. Alors que pourtant, je suis pas dans la mêlée ou presque. Ah merde, faut me ramasser. Je suis crevé comme une grosse merde. Oh putain! Évite d'être dans le cercle, évite d'être dans le cercle au sol! Ouais, ouais. Il y a une espèce de cercle et c'est ça qui te fait perdre des points de putain de body. Pour une fois que je sers. Ça va, il y a des mobs, du coup je peux lancer mon QTE. Oh putain, il y a un lance-roi. Le dragon qui... Punaise. Ah, il m'a défoncé la gueule. Allez, allez, charge, charge, charge. Yes, point de vie. Oh non! C'est une blague. Ah, il y a un sac. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je me suis fait buter. Par contre, ce qui m'a passé, c'est que... Comment ça se fait que bah, Himiko, elle récupère des points de vie? Les moyens de venir me chercher ou pas? Je crois pas. Ah, t'es... Ça paraît délicat. Si ça vous gêne pas, j'ai pris la trousse de soins. Non, au contraire, il faut que tu crèves pas si on veut le bonus. Donc. T'as bien fait. C'est bon, il est mort. Faut plus que personne ne crève. Lance-flamme! Par contre, là, c'est moi où la musique est super angoissante. Ouais, un petit peu, il est sympa. Ah putain! Je déteste. Oh la vache, les dégâts! T'es où? Allez, allez, oh, ouais. Quand je fais rien, Himiko elle récupère des points de vie. Non, je crois que c'est mon pet qui. J'active le soin de mon pet, je sais pas si ça marche sur vous. Oui. Non! Putain, mais Zor, ça m'a one shot! Non! Bon, tant pis, hein, parce que là, ça m'a l'air un peu galère. On va pas reset pour 5 cristaux. Putain, mais c'est... Genre, elle te fiche, tu peux rien faire. C'est pute. Ah, en fait, il utilise son attaque spéciale. Wouhou, c'est bon, je l'ai tué. Mais infirmier aujourd'hui. Purée, méchante. Elle faisait... Ça m'a retiré la moitié de ma vie, quoi. Elle m'a bloqué dans le temps et ça m'a retiré la moitié de ma vie. C'est vraiment le dernier. Dans mon dernier, il est méchant.
Bah pour le coup, elle picote. Ouais. En tout cas, GG les gars. En suprême, ça doit être bien tendu celui-là. J'imagine, ouais. Je pense pas avoir le niveau quoi, c'est tout. Pour être vraiment utile. Ouais. Après, faut voir, ça se trouve, le dernier niveau va être plus facile et du coup, bah la prochaine fois, je prendrai God Kana sur celui-là. Mais... Allez, maintenant, tu sais qui va prendre God Kana et compagnie. Alors, rien de spécial. Ah, je sens que ça va être Rita. Rita Glass. Je prends écuyer en nocturne. Bon, on a tout sorti du lourd. Bah, c'est la dernière, donc il n'y a plus de raison de pas de garder quoi que ce soit en stock. Je pense pas que je pourrais faire la suite. À mon avis, ma fille va se réveiller. Dans ouais, bon, temps. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Parce que ça aurait pris un petit moment là, quand même. Ouais, quand même, une heure et demie presque. Ouais. Juste deux trois trucs et j'arrive. Vas-y. Il est sympa parce qu'il version Reine des Neiges. Ouais, je l'aime bien, puis en plus j'aime bien, comme je disais, la colorimétrie quand tu passes en mode Archer. C'est bleu au lieu de orange. Je trouve ça plus clair. Ouais. Mais elle fait des dégâts physiques. Elle fait oui, pas oui, des non, dégâts c'est uniquement pour la déco. Pardon. C'est je comme Snowy juste... Sniper, hein, elle fait pas un seul dégât de glace. Hein. Voilà. Par contre, j'ai quand même les nerfs avec le skill que t'avais envoyé en photo pour Phoenix. Pour Phoenix, elle obtient une armure de chevalier. Ah, le skin. Ouais, mais apparemment, ils sont en train de la changer sur parce qu'il n'y a pas eu de bon retour. Donc je sais pas trop ce qui va devenir ce skin pour l'instant. Par contre, c'est vrai qu'il est sympa ce skin de la Reine des Neiges là. Tu as cru instantanément. J'adore Judas. Ça bug un peu chez toi. Juste que je me concentre à bien faire sur ce que vous êtes en train de taper. Ouais, ça je suis. Je crois qu'il faut voir que je coupe Discord. Bye. Ah, faut juste survivre à cette mission en tuant des mobs. Ça me fait rappeler le l'épée quand tu fais le truc de Sakura pour son arme légendaire. Et en fait, à chaque fois qu'on tue un mob, ça retire. On tombe sur un boss. Ouais, ok, donc le 7ème était beaucoup plus dur que le 8ème. Ouais, ça me fait rappeler le... Allez, faut sortir les gars. C'est pour... Y'a la sortie. Laissez ce mob tranquille. Il peut plus nous entendre. Yeah. Attends, je vais marquer. Non, c'est bon, il nous a vu. Oula. Oh non. Allez, pour vous, c'est un ulti. Oula, ils sont solides. Ah, faut les attaquer de dos. De dos, ça marche. Il y avait un petit message qui est apparu. Alors,
Alors, t'as vérifié sur le truc? Comme tu avais dit pour Godsiana et Himiko? Pour la réaction? Tant de quoi? La réaction, t'avais, à un certain moment, t'avais envoyé une photo d'une supposition. Donc quoi, il y avait... Ah oui, j'ai essayé, je oui, je vois, avec les Voilà. chibis. J'ai essayé, pour Ouais. l'instant ça a pas fait, donc... Ouais. Bon bah ça s'est bien passé. Ouais, j'ai du coup au milieu. En fait, Ouais, c'est bien passé. fallait juste survivre sur le dernier niveau là. Et après, dès que le timer est à zéro, ça ouvre la sortie. Ouais, Ouais, j'ai pas on eu a du tout, vu. désolé. J'ai tenté de m'acharner sur un Bon plombeau. bah c'est clean. J'étais à deux doigts de t'envoyer un message, je disais loup, au pied! Qu'il est. J'ai Ouais, failli c'est faire vrai au que pied le loup! ça dit ça. Mais ça va, je tourne régulièrement la vue, donc au bout d'un moment, je regarde où Bon est-ce que ça vous va. êtes. Bon, il y a que le 7 qui a été dur au final. Oh, le 7 c'était horrible. Oh, le 7 c'était horrible. Godkiana qui tape bien fort. C'est le seul qu'on n'a pas en... Et Amis qu'on qui adore te fliger avec son attaque esquive. C'est bien son esquive ça. Ouais, c'est l'esquive. De toute façon, on n'a pas besoin de tous les trucs pour avoir les Oui, non, là objectifs. c'est clean. On a gagné quoi On du a juste coup? perdu 5 cristaux, c'est pas un drame quoi. Ouh! Oh, des anneaux d'Iventionnage, je crois qu'il m'en fallait justement pour mon flingue. Je suis sûr qu'il m'en fallait Non, des ça c'est anneaux pour les gants d'Iventionnage. normalement. Attends, oui, peut-être. Je sais qu'il me fallait des anneaux d'Iventionnage. Bon. Améliorer. Ah, il m'en manque Ah, encore deux. c'est le cap temporel, c'est ça? Anneau dimensionnel. C'est ce qu'on acquiert Le en truc qui butin ressemble à d'Arak. un 8 rouge là. Ouais, un 8 rouge avec une tête Dans les croix dorée. récompenses. Il m'en manque encore deux, et après il manquera des trucs Bon, noirs là, à et j'ai une voir. petite surprise. J'ai enregistré tout ça, donc je le mettrai en ligne tranquillement. Oh, c'est trop cool. Oh, c'est trop cool. J'ai On va dû bien se couper. On va bien se Là, ils vont se poser des J'ai dû questions, les couper une gens. fois. Non, mais je le mettrai en privé, c'est pour nous quoi. C'est sympa. C'est sympa. Oh mon Dieu, mon secret de ma sublime boîte, tout le monde va savoir. Allez, je coupe l'enregistrement Ça là. va me faire Hop trop là. mal.